Ramasser les battes. Elle est là, ta tante. Hey. C'est Sabrina. Sabrina. On leur met des battes dans la trompe et il la donne à son maître. Ah, c'est trop beau, Pépina, il faut venir. Venez les cousines, allez, venez les cousines. Ah ouais. Moi, j'aimerais embarquer toute ma famille. Oh, il y a de la place. Tellement on voit des choses belles. Il y a 63 éléphants aujourd'hui. Là, il n'y en a que quelques-uns ici. Les autres sont en attente là-bas. Ils vont arriver. Il y en a d'autres qui arrivent, qui descendent aussi des camions là-bas. Voilà. Donc, c'est le Tambun Kaching. Je vais juste vous montrer un peu le cortège. Après, nous, on va partir. On va aller faire de la petite visite pour vous montrer autre chose que ce que vous voyez depuis ce matin. Là, les éléphants. On va aller voir aussi comment ils vivent, justement, ceux qui sont sur les éléphants. Alors, celui qui est en blanc là, oui, c'est magnifique, franchement. Bon, moi je suis habitué, Divina. C'est une excursion que je fais. Bon, on ne voit pas tout le temps des éléphants comme ça parce que là c'est vraiment une fête ici. Mais bon, chaque année, je peux amener les gens à cette fête-là. Voilà, les grand-mères, regardez, qui donnent. C'est un porte-bonheur, hein. Alors, la personne qui est en blanc ici, c'est un chef que j'ai rencontré justement à la maison des éléphants. On va faire le tour, on va faire le tour, on va faire le tour. Alors, tout le monde va arriver avec des sapins de Noël, c'est ce que je vais vous montrer moi. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est déjà le bébé. Baby, dis, ciao, dis, ciao, dis. Ah, dis. Oui, un couchage. Oh, et là nous avons Lissan. Donc voilà, il y en a même qui me filment en direct. Donc ici nous avons des éléphants qui sont arrivés par camion, hein, parce qu'il y en a eu 3. Voilà, voilà. C'est les bébés, c'est les bébés. C'est vrai que c'est magnifique. Alors le cortège va être très 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 intense et croyez-moi, ça va être très très beau. Ma mère elle est émerveillée. ให้มารวมตัวกันตรงจุดขึ้นช้างก่อนเพราะว่าขณะนี้ทางพระอาจารย์ได้เอาสมุดรายชื่อที่จองไว้เนี่ยจะได้ขึ้นไปตามลำดับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีการคาดเคลื่อนเดี๋ยวเจ้าภาพบางท่านจองไว้แล้วมันก็ไม่เห็นต้องมารวมกันตรงจุดรวมพลตรงนี้ก่อนตรงที่ลานปูนตรงนี้แหละที่ดีมีจุดขึ้นช้างนะก็ให้เรียนเชิญเจริญพร Je vais vous montrer un peu aussi la façon comment ils s'habillent dans la tradition. Isan, vous allez voir. Alors ici, regardez. Voilà, c'est pour le Sanouk. Tchèk, tchèk, tchèk. Alors bien entendu, ici nous avons les fameuses ce soir. Ni Puyi, Mer, Kotai, Isan. Voilà.
อันนี้ดันซีนล้ำล้ำล้ำLe lam, donc c'est la danse traditionnelle, vous la verrez tout à l'heure avec Eric Thailand. Et là, nous avons le grand moine bouddhiste ici. Anil Lompor. Donc bien sûr, eux, ils vont se mettre au devant de l'Issan. Et ils vont danser. Regardez.ทางคณะนักเรียนแล้วก็คุณครูโรงเรียนบ้านนนยาที่ประกอบกิจกรรมจากวัดป่าน้ำมนต์ในครั้งนี้ก็ด้วยบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ต้องเรียกว่าด็อกเตอร์พระอาจารย์กิติพัฒน์กิจการโรท่านได้มีOn va les suivre, ils vont se mettre à l'ombre. Et puis, le chef, c'est Kumbhe Nara. Kumbhe Nara. C'est très très beau, franchement, c'est très très beau. Kumbhe Nara. Et regardez. On leur a servi à boire, on leur donne, bien entendu, des chaises. Et vous voyez, c'est les écoliers qui sont là. C'est comme ça ici, c'est comme ça. Voilà.Je vais vous montrer aussi mon professeur, on va dire, mon professeur préféré, ma professeuse préférée. Voilà, Yim, voilà. Nifalano, où ça est, teacher? Où ça est? Allez, teacher. Ok, les teachers. Voilà. Ça soit, Eli.Bon, arrêtez, messieurs. Je la présenterai pas à vous. Voilà, elle reste ici. Dans l'Issan, c'est aussi, pour être un peu plus, on va dire, sérieux, c'est les traditions. Les traditions, c'est ma passion. Les traditions, j'ancre dedans. Je suis vraiment émerveilleux à chaque fois que je vois des choses ancestrales et voilà, c'est la beauté de la Thaïlande. C'est ça la beauté de la Thaïlande. C'est les traditions, ça reste vraiment, vraiment ancré. Voilà. Donc les écoles, bien entendu, je peux vous en parler. Il y en a ici, il y en a en haut. Mais bon, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est de voir une demoiselle comme ça. Non, allez, je pars. On rigole. Allez, on va direction là-bas, les éléphants. Le cortège va pas tarder à se former.En fait, quand je rigole avec les filles, c'est pour embêter mes amis garçons. Vous n'avez plus que le comprendre. Voilà, je les aguiche. Et ce que je veux vous montrer, c'est ça. La beauté de l'Issan.Je vais vous montrer aussi les extraterrestres, les blondes. Ils sont là, les blondes. Ça m'a dit pas. J'y casse le cou. Voilà. Voilà, c'est bientôt parti. Après, on va aller faire des visites ensemble. Les gens, ils adorent. Ils adorent. L'ambiance se fait sentir, évidemment. Ma Bibina, elle est toujours en train de regarder. Elle est là, elle n'est pas partie, elle est là. Elle fait des photos, regarde. Elle ne fait que des photos. Bonjour, Sylvana. Sylvana. Bientôt, ce sera toi. Exactement. On l'attend. Bisous. Il y en a qui ont peur de l'éléphant.
Il doit avoir peur de moi aussi alors. Allez, vas-y, oui. Ça fait plusieurs. Voilà, comme pour cap. Oh, ça fait peur parce que je suis en train de faire. Ben vas-y, toi, après. Non, non, j'ai peur. Ben, ça ne faut pas avoir peur. Ah ben, vas-y. Prends une photo, ta cousine, tu racontes que des conneries là. Oh là là, ma mère qui a la peur d'aller se faire en photo avec les éléphants. Il y en a un qui peut me regarder gentiment, pocheur. C'est toujours pocheur. Prends la photo avec l'éléphant. Tourne. Oh là, Catherine, elle fait la vie. Oh là là. Ils ont peur, ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Et là, ouh, j'ai peur. Et ouais. Ouh, j'ai peur. Donc, ce qui va se passer, c'est que les moines vont monter. Ah bon? Les moines vont monter. J'écarte ma mère parce que chaque fois je fais des gestes quand je parle et chaque fois elle se prend des baffes chaque fois que je parle. Eh oui, elle est là, elle rigole. Eh oui, je parle avec les mains, j'explique avec les mains. Italien, hein? Italien, non. Non, je parle italien, je suis italien. Voilà. Les moines vont monter sur les nacelles, sur les cornac, comme à l'ancien. À l'ancien temps, ça a été ça. Et là, on répète ce qu'on faisait à l'ancien. Les moines vont monter, vont prendre le cortège, et derrière, il y aura les habitants avec les offrandes, avec les danseuses traditionnelles. Et ils vont aller dans un endroit où on était ce matin. Ça s'appelle l'endroit Kachin. Voilà. Et après, ce sera fini pour nous, mes amis, parce que nous, on va aller visiter après. Donc, je vous donnerai quelques images. Des explications aussi. Alors, comme je vous ai dit, dans ce groupement d'éléphants, il y a toujours un chef. Eh oui, c'est une tribu. Donc, il y a toujours un chef spirituel. Un chef spirituel, un chef de groupe. Et ce n'est pas forcément le plus vieux. Attention, parce que là, nous voyons un ancien. Ça peut être un ancien d'un clan, mais on les reconnaît au chapeau aussi. Allez, va bosser, ma bibina. Nous aussi, on bosse, on est en vacances. Je parle à ma cousine, pour ceux qui ne savaient pas. Bibina, Sabrina, c'est ma cousine. L'une des nombreuses cousines que j'ai et que j'adore. Mes amis, je vais vous laisser. Je garde un peu de batterie pour le début du cortège et après, nous, on va aller visiter avec la famille, justement.